La Petite Mort est un jeu de draft basé sur la bande dessinée de Davy Mourier. Les joueurs incarnent des petites morts qui passent leur diplôme de fauche. Les pions utilisés dans cette vidéo sont les Twin Pulse officiels, La Petite Mort, du studio Twin Games. Les gens naissent, vivent, puis meurent. C'est ainsi. Vous pensiez que tout se fait naturellement. Eh bien, détrompez-vous. Pour que l'âme puisse quitter le corps, il faut un faucheur. Et pour devenir faucheur, il faut aller à l'école. Un choix de carrière comme un autre, ou presque. Dans La Petite Mort, chaque joueur incarne un apprenti faucheur qui doit faire ses preuves. Pour obtenir son diplôme, il faut être le premier à valider 4 objectifs. Le jeu propose 9 scénarios à la difficulté croissante. Chaque tour, les petites morts sont chargées de veiller sur 3 personnages. Lorsqu'ils naissent, les humains possèdent un certain nombre de points d'âme et certaines forces ou faiblesses. Leur existence se construit par leur expérience, représentée par les cartes caractères. Les symboles verts représentent des forces, et les symboles rouges des faiblesses. Les problèmes sont variés. Problèmes cardiaques, accidents, AVC, suicides, maladies pulmonaires et cancer. Un symbole vert annule un symbole rouge. Nous ne sommes pas égaux face à l'adversité, et certaines personnes risquent plus que les autres une mort totalement stupide. Dans La Petite Mort, un tour commence toujours par une phase de draft. Les joueurs choisissent et donnent une carte caractère à leur voisin de droite et une autre à leur voisin de gauche. Ils choisissent et placent 2 cartes à côté de leur personnage. Vient ensuite la fauche. Il n'est possible de faucher quelqu'un que si les symboles des personnages correspondent à ceux des cartes fauches. Solidarité oblige, un même personnage peut être fauché par plusieurs petites morts. Évidemment, il n'est pas possible de faucher ses propres personnages. Les cartes des fauchés sont partagées entre le propriétaire et les faucheurs. Si un personnage possède 3 cartes caractère et a survécu jusque-là, il a vécu une belle vie et doit à présent rejoindre l'au-delà. Son propriétaire récupère toutes les cartes. Lorsqu'un objectif est validé, le joueur place l'un de ses pions sur une case libre. Certains objectifs doivent être réalisés en premier, alors que d'autres ont des places limitées. Pour conclure, La Petite Mort est une bonne adaptation de la bande dessinée de Davy Mourier. L'humour est omniprésent, et le plaisir du jeu vient autant de la découverte des cartes que des crasses qu'on fait aux adversaires. Allergique au hasard, s'abstenir.